Nous sommes actuellement en basse ville de Québec, en plein cœur d'un de ces îlots. Mais qu'est-ce que c'est un îlot de chaleur? D'abord, c'est la température au sol qui nous permet de les identifier. Mais les îlots de chaleur ont aussi d'autres caractéristiques. En fait, elles concentrent la pollution atmosphérique. Saviez-vous que ce type de pollution cause le décès prématuré de 300 personnes annuellement à Québec seulement? C'est 5 fois plus que les accidents de la route. En fait, on devrait appeler ces îlots des îlots malsains, puisqu'ils sont nocifs à longueur d'année et pas seulement l'été. Ça, c'est dû au fait que la ville est plus minéralisée. Il y a de l'asphalte, il y a des toits, il y a du béton un peu partout. Il y a beaucoup moins de verdure. Pourquoi c'est malsain? C'est parce que la chaleur, chez beaucoup, beaucoup de gens dans une ville, surtout si les gens sont fragiles ou si les gens font beaucoup d'exercices pour une raison ou pour une autre, le travail ou le sport, ils résisteront pas. On n'est pas fait pour des températures très élevées. Mais moi, je vous dirais, ce qui est le plus facile pour faire comprendre à monsieur, madame, tout le monde, que la pollution atmosphérique, c'est extrêmement toxique, c'est le parallèle avec le tabagisme secondaire. Donc, finalement, la pollution, c'est la fumée secondaire des villes. Et ce qu'on retrouve dans les combustibles fossiles, ce qui sort de quand on brûle du pétrole, du mazout, du charbon, etc., c'est bien beaucoup plus toxique que ce qu'on trouve dans la cigarette. Quand vous brûlez de l'essence, du kérosène, du mazout, n'importe quoi, n'importe quel combustible fossile, quand vous brûlez ça, ça émet des particules fines, ça émet du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote. Quand on respire ça, ça rentre littéralement partout dans notre corps, pas seulement les poumons. Il n'y a pas que l'asthme dans les répercussions. Ça donne aussi ce qu'on appelle un stress oxydatif. Ça donne une inflammation systémique. Puis ça, ça bousille un peu l'organisation normale de nos artères. L'athérosclérose, c'est une espèce de rouille biologique qui est due à ces polluants-là qu'on respire puis qui nous intoxique progressivement. Fait qu'à la longue, donc, des polluants, comme le diesel, ça finit par boucher des artères. Chaque année, il y a 7 millions de décès dus à la pollution aérienne. Par ailleurs, il y a des études plus pointues qui ont été faites puis qui ont montré que si vous habitez à moins de 50 mètres d'une voie routière polluée, vous augmentez de 95 % le taux de mortalité cardiovasculaire par rapport à si vous êtes à plus de 200 mètres d'une voie routière polluée. Puis, en fait, tous les aspects de la santé sont touchés. De in utero, dans le ventre de notre mère, le bébé dans le ventre de sa mère peut être touché par les polluants. Ça a bien été démontré, notamment des belles études qui ont été faites à New York là-dessus, jusqu'au troisième âge, en passant par toutes les phases de la vie. Le rôle des arbres, à ce moment-là, par la photosynthèse, il va capter le CO2. Il va, par le processus à l'intérieur de lui, il va filtrer tout ça. Il va relibérer l'oxygène dans l'environnement. Et puis le carbone, le C du CO2, il va se fabriquer du bois avec ça. Du bois, c'est 50 % de carbone. Okay. Alors, il est capable de prendre un gaz dans l'environnement, un gaz à effet de serre, et de le transformer en solide, pratique, utile, et quelle beauté que le bois, et inoffensif surtout. Tant que le carbone est dans cet arbre-là, il n'est pas dans l'atmosphère, c'est un gain pour l'environnement. À la fin de sa vie, l'arbre, il va évidemment mourir, c'est un être vivant, hein? Il va finir par mourir, il va tomber, il va pourrir, il va relibérer le carbone dans l'environnement. Donc, il n'y aura plus de gains. Il n'y aura plus, tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée. Ça va s'annuler. Si on coupe un arbre, il faut absolument qu'il y en ait un autre qui pousse parce qu'il faut que le processus se poursuive toujours et toujours. En milieu urbain, l'important, c'est les arbres indigènes, des gros gabarits, puis un petit plus pour des conifères parce qu'on est en train de les voir disparaître. Il faut penser que les conifères, ils sont verts à l'année. Alors, ils ont le même effet, ils font le même effet pour la pollution. Ils font le même processus de croissance de carbone emmagasiné. Les sortes d'arbres d'ici, comme par exemple des érablasucs, des bouleaux jaunes, des chênes rouges, c'est des arbres qu'on retrouve dans nos forêts. Et d'avoir ça en milieu urbain, bien, moi, je trouve que c'est mieux parce que c'est des arbres qui sont résistants à la température, au climat, qui sont résistants là, aux intempéries. Choisir un arbre qui devient énorme, c'est un vrai plus. Ça fait peur parce qu'on se dit, quand il va être gros, ça va être un problème. On entend ça souvent. Bien, moi, c'est le contraire. C'est que si vous n'avez pas d'arbre, vous êtes le problème. Dans le sens que l'arbre, il est gros, mais il est gros en l'air. Il n'est pas gros à terre. Ça prend pas de place, un arbre, sur un terrain. Ça se déploie en l'air et c'est fabuleux, c'est très beau. Et c'est ça qu'on veut, hein? C'est ça qui donne de la richesse à un terrain. Ceci dit, la diversité est toujours le bon choix. Ça prend aussi des petits arbres fruitiers, ça prend aussi de tout. Mais ayez un souci pour les gros arbres, les gardes indigènes. C'est ceux-là qui sont le plus bénéfiques pour l'environnement, pour l'humain, hein, puis pour le moral. Ouais, ils sont magnifiques aussi. La canopée de la ville.